Alors ici, nous sommes toujours dans Makoko et nous sommes sur l'eau. Là, bon, ici, notre vie ici sur l'eau, peut-être quand tu voulais aller payer quelque chose, tu as besoin de pirogue pour partir. Voilà un peu l'histoire. De telle manière, il y a plusieurs personnes qui ont fait des formations et puis ils ont eu les attestations et puis ils n'ont pas trouvé affaire du tout au pays. Alors ils risquent de revenir au pays, au Nigeria ici, peut-être ils vont trouver affaire et on remercie Dieu quand ils se sont venus se siéger ici. Alors ils trouvent un peu et puis il y a la différence quand même. Quand tu as fait un métier au pays et puis tu tentes là-bas et ça ne marchait pas, alors tu décides de venir au Nigeria et puis tu trouves ce que tu veux faire. Voilà. Moi, par exemple, je suis un Béninois. Voilà, je suis un Béninois. Et puis, j'ai commencé depuis CI. J'ai commencé le CI au Bénin et puis lorsque j'ai terminé, ça m'a plu. J'entends parler de Nigeria et puis ça m'a plu de venir dans le pays. Lorsque j'étais venu, telle manière qu'il se situe sur le pays, ça, c'est très bien, ça m'a attiré et je risque de rester aussi et faire des choses tout, tellement comme eux. Nous sommes venus ici parce qu'il y a chacun a son activité à faire au village là-bas, comme on ne trouve pas à faire là-bas. Parce que c'est ici maintenant, il y a un peu de l'argent. Si on vient ici se siéger ici pour faire des activités, on trouve au moins de l'argent pour au moins nous satisfaire. C'est pourquoi on vient ici pour se siéger ici. Au village maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont encore là-bas. Mais ils ne trouvent pas à faire comme des activités là-bas. C'est pourquoi nous sommes venus se siéger ici pour trouver au moins à manger. Oui, on collecte parce que ici c'est une école privée. Et chaque jour, on collecte. Il y a des élèves qui donnent journalièrement et encore des élèves qui donnent par mois. C'est pourquoi chaque jour, on fait la collection pour pouvoir satisfaire des enseignants à chaque fin du mois. Peut-être il arrive des moments qu'on renvoie des gens à cause de l'argent, ils n'arrivent pas à payer, disent qu'on n'a pas de l'argent et que nos papas ils sont voyagés, tout ça, et puis on les laisse. Voilà un peu. Only me that taking care of my children. If I'm staying in the home, I will not make it. That will bring me to come Lagos to. I'm not selling in the morning because of task force people. They are arresting us. What's happening?
Serving on Sunday and after serving, I will go to church. I'm managing with the grace of God. I can manage with my faithfulness and my holiness because I promise God that I will not cross any other man. This our work. If you don't get a person, if you don't know how to give a person money, you know, they'll give you work in this labor. In this labor, plenty. Even though the boy, all my people, where they use, everybody, they get work now. So if you want to do work now, you begin to find workers around, if you don't see. But if you get one, you go tie them down, maybe you no go. I want rush work, get money to go and open a building materials shop. So small time, I come gather my money, come buy Okada. After I buy Okada, I go call my mom and say, mommy, I don't buy Okada. So why don't come pray for me, say, you buy your car, very soon you will buy motor. Say, gradually, you will go higher. The time we are the our village, the time we are do freedom, no work for our village. But if you ride the bike, you will see, you feel see some money to eat. If my mommy say, Olu, come give me some money, I tell them, say, no work. So my mom called me, say, Google Lagos. I can't tell her, say, Lagos, I no go. Because yeah, my mom called, beg me. So call tell me, say, if I go, I will see changes in my life. This one, I'll give you for it. MTN. One pack. No, 750. I made me a kind of Sprite. Sprite. Bring change. How much? 100 now. 250. Okay. If road bad, you know, say, motor, they don't feel good that side, but Okada feel enter that side. This Lagos actually they have water. So we have erosion. It's because of the erosion we have. And the second thing is the people. There's people plenty in Lagos. So that's why we have Odop and others. Yeah. Obey lights, there will be anybody.
This Okada is risky. It is risky. If you get accident for the airspace, you know how long I will get leg break or hand break. Close your mouth, yeah. Now, they say, okay, everybody they use helmet. To me, go by the one we get glass, we they sort by pass this one. But the side helmet we they use, that one, you say this is our Nigeria. If they say, okay, go do this, if you do just okay, let me do something. Just now, if I put that side helmet on top, by the go. Nobody feels of God. Helmet is helmet. Donc, Christian, nous allons partir prendre de l'eau et puis tout à l'heure, moi, je vais faire la lessive. Je vais te doucher, quoi. Tu vas être douché. Et puis, après avoir fini de se doucher, on va faire quoi? On va sur la terre là-bas pour voir les amis qui sont là. Alors, c'est bien. Tu fais doucement. Ouais. Ici, nous allons chercher de l'eau là, tout près là. Oui, on va mettre les bidons dans la pirogue. Alors, pour pouvoir prendre de l'eau là-bas. Oui. Ici, par exemple, quand on monte sur la terre, maintenant, on va vous montrer, il y a un milieu là, donc nous allons vous montrer. Ils tirent l'eau là sous le sol, avec des raccords, avec des motopompes, et ils aspirent l'eau. Il y a un projet de forage, puisque bon, nous, nous sommes en train de chercher un moyen, puisque l'eau qui sont ici là n'est pas suffisante. On est en train aussi de chercher des moyens pour que l'eau soit suffisante. Après, que l'effectif qui se situe à Makoko ici, l'eau que nous sommes en train d'utiliser là, c'est insuffisant. Et nous sommes en train de chercher un projet pour monter, faire le forage de l'eau et que ça soit satisfait pour l'effectif du milieu. Et pour avoir l'eau, il faut dépenser trop. Il faut dépenser et aspirer l'eau sous le sol. Voilà un peu l'histoire. We are recycling, we are the scavengers. So everybody has his own item that he's dealing with. Some people are dealing with iron, some people are dealing with paper, some people are dealing with plastic, nylon, and so many things like that.
Police people and the soldiers, they come here and pursue everybody out and destroy everywhere. They are sleeping outside. Well, I don't know whether they are feeling that we are living closer to railway or because of how some people are behaving in this area. Just came this place, you know, to come and demolish everything, and she affect us. The way they destroy this environment is not quite okay for them. Where do they want them to go and stay? It's worth crying. You see little kids just moving everywhere, no place to sleep. The major thing in life is shelter. If you don't have shelter, where you can lay your head on is a problem. They just come down from the from train and bring their gun out and say everybody should pack out its load. And they begin to pursue everybody, and we are packing our load and our children. I don't get any place to stay, and I don't have money, and I don't have any relation to stay with. Kiss me. How are you? You are fine. Yeah. I love you. I love you. Do you love me too? Yes, these twins. They are twins. They are twins, yes. I'm always playing with them and feeding them well. It's because of them that I'm struggling to make them they healthy and they. Because NEPA don't take life. That's why I want to own my gear. And we owe money now. Some people, they don't want to pay NEPA. Out of 10 people, 3, they will pay. 7. You don't get money, you don't get money. So that's why the power holding come here. Or call that. Like. We paid, we don't see the lights. You see how they do it in London or England or America. This in Nigeria, the situation of our light is so worse in this Lagos. So when you get there, help us put it in cellar so that everybody will know what is going on in this Lagos. We are facing a lot of trouble in this Lagos, honestly. Shall you see them now? If they come for disconnection, did they supposed to see call the wire? It's not like that now. You pay there, you use light, you don't use light here. For the past 5 or 6 years, the situation of this Nigeria is too worse. Give us light this morning only for 2 hours or 2.5 hours, and they took the light. And since then, we have been running gen. And that's how we are running gen every day. Cheating us, doing everything they like. C'est parce que quand il y a la coupure du courant, on a besoin d'utiliser. Voilà. Aussi, quand il n'y a pas la... Quand il n'y a pas de générateur, on utilise la lampe.
La lampe qui utilise du pétrole, la lampe à pétrole là. Un peu, après avoir utilisé ça, rien que des fumeurs dedans un peu. Quand tu as un linge propre dedans là, ça va devenir noir. Et tu risques de le laver souvent. Et quand il y a la coupure pendant une semaine, tu risques d'utiliser la lampe à pétrole. Et puis, tu ne peux pas refuser que tu ne peux pas être sale. Alors, on ne sait pas, puisque là où nous avons tiré le courant, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Vous voyez, non? On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il arrive des moments qui donnent des courants juste à un moment donné. Et puis, à un moment donné, ils coupent. Surtout, quand ça les arrive là, quand il y a la coupure, oh, tu risques, tu vois, on commence par se fâcher pourquoi ils n'ont pas donné de courant. Puis on a, par exemple, celui qui a de la télévision, par exemple, dans sa maison. Les gens qui ont de, comment dirait-on, les gens qui vendent de l'eau, par exemple, ils ont besoin du courant et que ça fonctionne pour donner l'eau. Par exemple, des motopompes qu'ils vont utiliser avec l'essence avant que ça évolue. Maintenant, il n'y a pas la sécurité. On fait tout en désordre. Tu peux rester là où nous sommes maintenant, on peut rester ici et les polices peuvent venir ici nous attaquer et nous ramener là-bas. Là, il n'y a pas la liberté. Mais chez nous là-bas, tu peux rester tranquille, tu vas, tu viens, tout va bien. Mais ici, ça ne va pas du tout. Déjà ici, c'est un pays, pardon, excusez-moi, c'est un pays insécurité. Puisque sur la terre, quand on marche, c'est quand nous avons besoin de quelque chose, d'aller payer quelque chose là-bas. Par exemple, tu serais en train de marcher, pas mes gardes, les policiers viennent t'arrêter. C'est comme ça que tu n'as rien fait. On demande la raison, ils te disent non, pour le quand tu rentres dans la voiture, on t'amène au prison seulement. Je ne sais pas. Donc, soit tu es en train de marcher, on te donne des paires de gifles. Tout cela nous fait peur, puis on ne sait pas. Voilà un peu. Quand tu es le nouveau venu dedans et tu arrives, mais Jean, je voulais rester au Nigeria, mais ce n'est pas le contexte dans lequel il faut rester. Je te dirai, mon frère, tu vas essayer de suivre telle chose puisque c'est un pays. Voilà un peu.